هو مصدر زيديني أكثر لكي بالنور أظهر ودمت خير غارس يا أجمل المدارس ودمت خير غارس أزهو 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 يعلو جناحي إذا رويت قلبي. قبل بداية الدرس كنتمنى أنكم دخلوا الانستغرام غادي يكون في الوصف، نتمنى تدخلوا ليه كاملين حيت غيكون فيه ملخصات دروس تمارين ومعلومات كذلك. نتمنى انكم توصلوا لاكبر عدد ديال الزابوني باش يوصلوا لجميع الطلبه. Bonjour, nous avons le plaisir de commencer les leçons de cosmologie. Aujourd'hui, on va aborder le son d'une étoile. Une étoile. Une étoile. Une étoile. Une étoile est un objet. Est un objet. Un objet céleste. Céleste, ça veut dire samawiya, yani f sama. Yani qu'est-ce qu'on sama? En rotation, ça veut dire que le mouvement d'une toilette est en rotation, ça veut dire fi dawaran. De forme, ça veut dire toilette. On trouve la forme de la toilette qui fait dire de forme. De forme sphérique. De forme sphérique. Entre parenthèses. Une boule massive avec une masse importante. Une boule yakura avec une masse importante. Lumineuse, yamogéa. Lumineuse, mouchéa, omogéa. Lumineuse de plasma. Le plasma, ça veut dire que le SS est lumineuse, il y a le plasma. Le plasma, c'est un état de matière, comme le liquide, solide, gaz, le plasma. Et dans la structure, et dans excusez-moi. Et dans la structure est modélée par la gravité. Modélée par la gravité lors de sa formation. Lors, elle est atteinte à tkouin diala. La gravité qui a un tir là, elle a la forme d'elle. Lors de sa formation, elle est queen. Maintenant, elle est queen d'elle. Point. Une étoile, en général, une étoile.
est essentiellement, c'est l'essentiel, elle est constituée essentiellement composée par, elle est composée par, la, composée d'hydrogène, composé d'hydrogène et d'hélium. Composé d'hydrogène et d'hélium. Les deux constitutions, et généralement, la plupart des étoiles, on trouve l'hydrogène et l'hélium. Et on a une étoile qui est très importante pour nous, c'est le Soleil. Le Soleil est constitué par l'hydrogène et l'hélium. Comme j'ai dit, une étoile est composée essentiellement de l'hydrogène et de l'hélium. Durant la majeure partie de son existence, une grande partie de son existence, de son existence. Bien sûr, on parle que chaque étoile existe son cœur, le qalb diyala, et son cœur et représente le siège des réactions de fusion nucléaire. Si on parle de fusion nucléaire, ça veut dire des ions qui se fusionnent entre eux et donnent la forme de luminosité. Comme j'ai dit que durant la majeure partie de son existence, son cœur est le siège, son cœur. Et toujours le siège des réactions de fusion, des réactions de fusion nucléaire. Ça veut dire que le cœur et le siège, ou le maqar, le cœur et le siège des réactions de fusion nucléaire. Ça veut dire durant la formation, يعني أثناء التكوين ديال هاد النجوم هاد لي زيتوال هادو اللي كيكون واحد التفاعلات في لو كور التفاعلات النووية ديال المكونات ديال النجوم. Nous avons des réactions de fusion nucléaire, bien sûr, dans une partie d'énergie ملي كنتكلموا على واحد لي رياكسيون نوكليير كنتكلموا على واحد الطاقه اللي كتكون داخل هاد لي زيتوال هادو. دونك لي رياكسيون دو فوزيون نوكليير دون اون بارتي d'énergie, واحد الشق من هاد الطاقة هادي غيوني. دونك هذا هو المصدر ديال لومينوز، يعني مشعة غيوني.
sa forme de lumière.